Yo les gens, nouvelle vidéo tout simplement sur Valorant. En gros, comment bien débuter sur Valorant? Dans cette vidéo, je me focus sur comment bien débuter et aussi Omen, qui est un des meilleurs persos, je pense, pour débuter le jeu. Vous allez voir pourquoi dans la game. Les gens en général s'intéressent pas trop à ce personnage-là, mais je vous explique pourquoi il pourrait beaucoup vous intéresser, parce qu'il est très fort, notamment contre des joueurs qui sont pas extrêmement expérimentés. Dans la vidéo, que vous jouez ou pas le perso, vous allez apprendre énormément de choses. Le but, c'est de vous apprendre d'abord le jeu et des tips avec le perso. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les smokes en général et plein de techniques généralistes. En tout cas, merci beaucoup de me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes 5200 sur le live en sub à me soutenir tous les mois, donc vous êtes des malades, merci beaucoup. On est en live tous les jours de 12h à 22h. Je pense que prochainement, je ferai de 12h... peut-être à 12h à 21h30 et je pense qu'à 18h ou 19h je passerai sur un autre jeu tous les jours, donc de 12h à 18h30 je pense que ce sera du Valorant et après ce sera différents jeux au cours de la semaine et des streams peut-être un peu libres. Des fois ce sera aussi du Valorant parce que j'ai juste envie de jouer à Valorant. Donc voilà, donc merci à vous les gars de venir sur le live, vous êtes extrêmement nombreux donc vous êtes les meilleurs, merci beaucoup, je ne saurais pas vous remercier assez. À mettre sur le live Twitch Skyheart et bonne vidéo les gars si vous voulez apprendre à démarrer le jeu. Vous verrez, il y aura plein d'autres séries qui vont être aux gens de commencer le jeu si vous êtes en gros moins d'immortel. Là je suis Immortal 1 solo queue. Ça change beaucoup de choses parce qu'en gros, Immortal 1 solo queue, ça équivaut largement à Immortal 3 pre-made. Pre-made, c'est les gens qui jouent ensemble à 5. Vous allez voir que le système solo queue est pas très bien fait. En gros, quand t'es tout seul, tu tombes contre des équipes de 5. Les équipes de 5 ont beaucoup d'avantages, mais quand elles lancent après tout seul, elles se font détruire parce qu'elles ont pas le niveau, tout simplement. Le système des lots est bizarre. Bref, bonne vidéo les potes, enjoy et amusez-vous bien dans la game. Et j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses. A bientôt sur le live, ciao ciao. Bine, c'est une map avec 2 BP. Alors, la game, on va s'en foutre un petit peu, tranquille, c'est une game chill. Les mecs, en fait, ça devrait pas être mauvais du tout parce que y a un système des lots. En fait, que vous fassiez des ranked ou des normal games, dans les deux cas, vous allez tomber sur des. En fait, games sont classés pour éviter de la frustration. Imaginez que dans votre première game vous jouez contre un mec qui a déjà joué 400 heures sur le jeu et qui a un milliard de kills, enfin, vous allez pas vous amuser et c'est pareil pour vous comme tout le monde. Du coup pour éviter cette frustration pas ouf, bah en fait ils ont fait en sorte que voilà, un débutant commence contre un débutant. Ah y a pas de sang de base. On va parler de Omen. Omen qui est clairement un perso que je vous conseille de fou. Pour moi Omen est un des meilleurs persos là du patch. Il s'est fait encore buff pour la deuxième fois d'affilée. Auparavant c'était un buff nerf, mais pour moi c'était quand même plus un buff overall qu'un nerf. Là c'est assurément un buff uniquement. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec le perso. Vous allez pouvoir TP dans vos bulles. Le mec entend la TP mais il sait pas du tout où vous allez TP. Et vous allez pouvoir surprendre vos adversaires. Bon là du coup pas très intéressant parce qu'il était pas là, mais désolé, j'étais un peu FK au début donc là il restait que 10 secondes. En vrai c'était difficile de pouvoir poser la bombe. Alors, parlons un peu des sorts de Omen. Pourquoi je vous le conseille et pourquoi je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Alors, son sort A, alors je vais le faire dans le vide. Ah, je peux pas. Attendez, faut qu'on attende le début de la game. En gros, mon téléport, ça me permet de me téléporter dans une zone, à savoir que s'il y a un objet qui est à côté de moi, ça va toujours vous sélectionner l'objet pour arriver en haut de l'objet. Pourquoi Omen est si fort que ça? C'est que, en fait, le TP, le son du TP, n'est que au début du son du TP. En fait, que je TP là, ou 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 que je TP là, ça fait le même son pour l'adversaire. Il n'a pas de différence de son. Alors s'il peut vous voir, bah il vous tuera, parce que quand vous allez vous TP, vous allez genre... J'irai à peu près une seconde dans laquelle vous pouvez pas tirer. Donc vous allez clairement crever si vous TP devant votre adversaire. Pourquoi j'ai pas de sang, c'est bizarre. Vas-y gros, je suis un adulte hein. Bon ça bug peut-être. Bref, c'est pas très grave. Donc alors, pourquoi Omen est si fort que ça? C'est qu'en fait du coup, votre TP va pouvoir brain les gens. Oula, lui il a l'air un peu moins fort. J'ai récupéré le lui il a l'air d'être un peu stressé. Alors pourquoi Omen est vraiment si fort que ça? C'est que du coup c'est déjà un bon perso pour jouer seul. Vous allez pouvoir aider votre team en mettant des smokes, donc des grenades fumigènes. Et bah la fumée ça va permettre de briser les lignes de vue de votre adversaire. Votre adversaire il va vouloir vous voir pour vous tuer, s'il vous voit pas c'est compliqué. C'est un perso que je considère qui coûte pas cher parce qu'en fait grosso modo la flash vous allez quasiment jamais vous en servir. Honnêtement je conseille de vous en servir quand vous serez très à l'aise, mais pour l'instant vous en servez pas trop. Par contre le TP ça va vous en tout le temps, c'est vraiment trop fort. Et la smoke pareil, la smoke c'est très très fort. Donc à savoir que la smoke par rapport à d'autres smokes, attendez faut que j'attende la fin, on peut voir dedans. Il y a la smoke de Brimstone, on peut pas voir dedans, elle est opaque. Celle-là on peut voir dedans. Donc en gros vous pouvez par exemple smoker pour vous rentrer dans votre smoke. Imaginons je smoke comme ça. Et que le mec là ici quand il rentre dans ma smoke, il a un avantage de fou parce que moi je peux l'attendre, il peut être partout. Okay, tu vois. Guys, thank you. Quand il va arriver, il peut arriver là, il peut arriver là, il peut arriver là. Moi je peux être un vraiment partout. Quand il va rentrer dans la smoke, je vais le tuer, tu vois. Et en plus, vous voyez que je peux voir ses jambes avant que son visage rentre. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, j'ai un délai dans lequel lui ne voit rien et moi je le vois, tu vois ce que je veux dire? Ils ont tweet par rapport au bug de Sans Sky. Ok, c'est un bug, ok, okay d'accord. J'allais dire, c'est bizarre. Ouais, c'est ce qui me semblait. Bon, il y a pas mal de bugs sur ce patch, mais bon, c'est pas très grave. Autre chose, donc le téléport, comme je vous ai dit, du coup. Fait du bruit, merde il m'a fait peur, le téléport fait du bruit que à la position initiale.
Alors, on a fait le test, on peut entendre le bruit du téléport doucement, on peut l'entendre jusqu'à 40 mètres. Donc de là à là-bas, le mec peut m'entendre. À savoir que le TP peut se faire jusqu'à 15 mètres. Là, vous pouvez peut-être pas voir, mais c'est à 15 mètres. Donc en gros, techniquement, vous pouvez TP dans un cercle de diamètre 30 ou de rayon 15. C'est vraiment intéressant. Pourquoi le perso est, je pense, vraiment, vraiment, vraiment super fort? Ben, c'est simplement parce que vous pouvez brain très facilement. En fait, vous faites un TP de Omen, les gens vont vous dire que vous avez brain le mec. Parce qu'en fait, c'est très, très dur pour lui, en fait. Vous avez l'avantage de fou. Genre, imaginons, il y a un mec ici, et je le sais. Je peux TP là. S'il m'entend pas TP, bah je le tue. Parce que ce mec là, il va attendre le mec. Oula, attendez, on va juste aider ma team là. Le mec qui est en face, il va vouloir attendre le mec qui est à gauche. Sauf que je vais être à droite, tu vois ce que je veux dire. À sa droite à lui. Donc à ma gauche à moi, mais à sa droite à lui. En gros, ça veut dire qu'en fait, en faisant un TP, vous allez pouvoir brain le mec, ce qui va forcément être du côté opposé où il va vous attendre. Et si vous pensez que le mec en face de vous est un très bon joueur et qu'il va entendre votre TP, si c'est un bon joueur et qu'il entend votre TP, il va sûrement. Imaginons là, il y a un mec. Si je TP là avec le mec en face, c'est très bon, il va sûrement s'attendre à ce que j'ai TP à droite, donc il va vouloir m'attendre de l'autre côté. Mais je peux du coup TP sur moi-même, je peux TP vraiment à mes pieds. Et en fait je feinte de TP de l'autre côté, mais je TP sur moi-même. Donc en gros le mec va attendre le TP, il va penser que je suis à droite, mais il va faire un pari, il va avoir une chance sur deux. Alors que moi techniquement je sais où il est. Donc lui il a une chance sur deux, moi j'ai une chance sur un. Donc j'ai un avantage qui est vraiment énorme. Même chose, vous pouvez envoyer vos smokes et TP dedans. Vous pouvez envoyer vos smokes et ne pas TP dedans pour que les mecs pensent que vous avez TP dedans. Bref. Le TP domaine est extrêmement puissant et coûte 100$. Donc pour moi, le TP domaine devrait passer à 200$. Je joue un peu Omen, hein, c'est un des persos que je joue. Mais je trouve que le TP domaine est un peu trop fort. Et donc du coup, du troll teammate. Oh, tranquille, les gars, soyez sympa. Donc voilà, donc la smoke, vous pouvez choisir où vous mettez votre smoke par rapport à la. Par rapport à la minimap. Si vous regardez la minimap, vous voyez que le sort se rapproche et se recule. Vous avez une petite flèche verte là qui est là. Qui va vous valider si votre smoke est bonne ou pas. Attention, faut pas que la flèche verte soit dans le sol. Là, vous voyez que si je l'envoie là, vous allez voir que ma smoke va être dans le sol. Vous voyez, elle est dans le sol. Elle est pas totalement dans le sol, mais elle est dans le sol. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs peuvent peut-être me voir s'il est là, ils peuvent me voir, etc. Alors que cette même smoke, si je la fais là, si je la fais en visant à hauteur normale, elle va être beaucoup plus haute. Et beaucoup plus dure pour du coup la défense de voir par-dessus, tu vois ce que je veux dire. Come be, man, come be. Come TP. Ok. Ok, autre chose. Donc là, le but va être d'essayer. Donc là, on avait vu qu'il était là. Typiquement, imaginons le mec, je sais qu'il est là. Je vais TP ici. Je sais qu'il a pas manque de vue. Il peut pas me voir là parce qu'il y a une caisse, je le sais. Et imaginons, il est là. Bah, du coup, je vais pouvoir le décaler ici. Et lui, en face, il sait que j'ai TP quelque part. S'il a les bonnes oreilles. Mais il sait pas du tout où. Et j'aurais pu TP quasiment n'importe où. Donc le TP est extrêmement, 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 extrêmement puissant. C'est comme le TP de Faucheur sur Overwatch. Non, justement non, parce que le TP de Faucheur sur Overwatch fait du bruit à l'endroit où t'arrives. Donc c'est vraiment, c'est justement pas du tout, c'est justement tout le contraire. Mais oui, dans l'idée, c'est un TP, mais ça fonctionne vraiment pas pareil, tu vois. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc pour moi, le TP est vraiment ultra, 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 ultra fort. Et c'est vraiment pour ce sort-là que le perso est extrêmement fort. L'ulti, on verra qu'il est ok, mais c'est pas forcément son meilleur truc. Donc là, en face, ils sont en écho. Quand ils sont en écho, si vous voulez gagner de l'élo, bah vous devez rusher. Parce que quand ils sont en écho, vous avez des grandes chances de faire un 1 pour 1 minimum. Et même si vous faites 0 kill, bah vous avez de toute façon probablement fait des dégâts, donc gagner de l'élo. Il y a un mec qui a probablement joué dans ma smoke. Attention, vos adversaires peuvent jouer dans votre smoke. Ah, tu vois, il a joué dans ma smoke. C'est-à-dire que mon adversaire est rentré dans ma smoke, profitant du fait que ma smoke était opaque. Et on s'en doutait parce qu'il était pas loin, tu vois. Attention, quand vous voulez TP quelque part, vous pouvez pas TP loin. Enfin, tu vois, pour TP loin, vous devez sauter. Technique un peu avancée avec Omen sur cette map aussi. Quand vous prenez un téléport, si vous faites un saut, vous téléportez, vous revenez à votre position d'avant de prendre le téléport. Et du coup, c'est très très fort parce que vous pouvez rentrer dans un téléport et feinter. Mais je voulais faire dans un Valorant de A à Z sur tous les persos. Et du coup, je pense que je vais faire des tutos un petit peu aussi, un peu live, dans lesquels je peux vous expliquer beaucoup plus de choses que juste le personnage. Le TP te rend assez vulnérable, je trouve. Oui et non, parce qu'en fait, t'es pas censé TP au mieux de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. En fait, ton TP est très très fort parce qu'en fait, imaginons, il y a un adversaire, encore une fois, je peux TP sur moi-même. Et le fait de pouvoir TP sur soi-même et que ce soit pas. Pour moi, le TP devrait avoir une distance fixe. Quand tu TP, tu devrais forcément devoir TP quelque part, tu vois. Enfin, une distance fixe. Donc, soit en arrière, soit là. Mais que l'adversaire ait une information valable, tu vois. Alors que là, il a aucune information, tu peux vraiment. En fait, il fait un pari, quoi. Il mise sur le rouge, mais il a la roulette russe, donc. Enfin, il a la roulette, donc bah, il peut pas savoir quel est ton choix, tu vois. Sachant que dans les meilleurs cas, il y a une chance sur deux, dans les cas les plus défavorables, il y a une chance sur trois, une chance sur quatre. Donc c'est vraiment compliqué quoi. Et donc ton but à toi, c'est de maximiser les possibilités que tu as de TP pour que lui ait le moins d'informations possible. S'il a une chance sur 3, une chance sur 4, bah, il a évidemment un avantage énorme. Et seulement s'il a entendu, s'il a pas entendu, bah il a une chance sur 0 quoi. Hein. Donc là, TP, c'est que vous pouvez voir du coup, c'est où est-ce qu'on va m'entendre. Donc si je TP par exemple, souvent les joueurs vont vouloir TP au spawn, donc le spawn c'est là où les gens apparaissent.
Attention, si vous TP vos spawns trop tard et que les gens ont déjà commencé à rotate, il risque de vous tuer. Donc ce mec là a pas attendu, il a vu que sa carte s'est brouillée. Quand j'ulti, sa carte se brouille en haut à gauche. Donc il sait qu'il y a un TP au main. En général, les bons joueurs vont penser que le TP au main fait que du coup tu vas vouloir TP dans leur back. En général, les TP au main vont souvent vouloir TP très souvent dans un endroit safe, dans le back. Donc soit au spawn c'était. Ah merde, ah, j'étais tout seul, autant pour moi, pardon. J'explique des trucs. Mais je trompe pas ma team, soyez sympa. Juste j'explique des trucs, donc. Mais pour autant, on est quand même top frag, tu vois, je veux dire. Donc même en étant pas focus. On peut TP, du coup, vous pouvez TP. Oh, ils ont amélioré la beauté des TP. Aidez-moi. Ok. D'accord, ils ont rendu les TP plus beaux, quoi. Enfin, ils ont amélioré la TH. Sur la TH, globalement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont un TH plus joli que ce jeu-là, quoi. Bref, donc là, quand vous avez TP ici, en général, les joueurs vont vouloir essayer de vous récupérer. Les CT vont devoir essayer de regarder où vous êtes. Donc, ils vont vouloir essayer de récupérer de l'espace dans la zone. En fait, il y a des personnages comme le Phoenix. Phoenix, quand il fait son ulti, il ne peut pas récupérer les sacs de son ulti pendant son ulti. Vous, avec Omen, quand vous TP dans le bac, vous allez récupérer des sacs d'ulti pendant votre ulti. Parce que quand vous êtes sous ulti, vous allez pouvoir faire peut-être un kill et vous allez du coup gagner une stack. Quand vous mourrez, vous gagnez une stack. Quand vous posez une bombe, vous gagnez une stack. L'important, c'est que quand vous mourrez, vous gagnez une stack. Ça, c'est quelque chose qui est souvent pas connu. Donc là, par exemple, on va essayer de faire un truc. Donc là, on va smoker ici. On va smoker un peu plus loin. On va smoker là. On va pinguer sur la carte ce point-là. Donc là, c'est une technique très très avancée pour le coup, mais. Ok, il était dans ma smoke. Je suis peut-être mort. Donc là, je m'avance, je me mets à 15 mètres et je vais TP dans ma deuxième smoke. Grâce au ping. Donc là, technique très avancée qu'on a montré là avec le ping. Qui permet de brain et qui permet d'avoir un TP précis à 100%. Donc là, c'est une technique que j'ai jamais vu encore utilisée sur Omen, mais c'est une très 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 bonne technique. Donc, voilà. Donc là, je vous explique des techniques très avancées. Mais c'est vraiment une bonne technique. Là, vous voyez qu'il a TP quelque part. Il peut TP n'importe où à plus de 2250 unités de moi, donc dans laquelle je ne peux pas le voir. 2250 unités, si on va comparer en termes de métrage, à mon avis, ça correspond à peu près à 40 mètres, 45 mètres. On n'a pas la valeur exacte, hein, mais. Là, ils ont la spike, donc ils ont la. Le truc que je dois planter pour pouvoir gagner le rune. Sauf que là, vous allez voir que c'est évidemment compliqué. J'ai le spike. Il a mis une smoke. Je vais essayer d'aller en A. Je pense que ça ne passe pas, mais on va essayer quand même. Plus que 10 secondes. Ils sont assurément tous de l'autre côté. Les ombres bougent. Oh dommage, j'aurais pas le temps. Bon, ils étaient bien de l'autre côté, hein, tous les deux. Il est probablement dans la smoke. Ah, il est dans la smoke. Bon, si j'avais rushé en B, je pense qu'avec 20 HP et avoir un adversaire qui est caché quelque part, je serais mort. Mais je connais pas le temps de course de cette zone là. Si j'avais été en A, j'aurais pu prendre le TP et rentrer vers le B direct. Malheureusement, en fait, ce tour là prend pour avoir une quinzaine de secondes. Ce TP là prend vraiment 8 secondes quoi. Hein. Il reste 15 secondes, t'es là, tu peux clairement aller poser en B genre. Parfait, expliquons un peu le reste. Donc là, du coup, on a expliqué une technique très avancée. On va parler maintenant un petit peu de la flash. Voilà, la flash pour le coup, c'est très difficile à utiliser. Je vous conseille de pas trop l'utiliser si tu sais pas où l'adversaire est. Imaginons. Alors, je peux pas vous montrer ce que ça fait quand tu prends une flash, mais imaginons le mec, je sais qu'il est à droite, je peux par exemple faire ça. Je l'envoie la flash, il est flashé et je peux essayer de le décaler. Décaler le loin, parce que quand même, quand un mec prend une flash sur sa gueule, il a une vision qui correspond à la smoke. Il voit exactement ça en fait. Mais ça se déplace évidemment avec lui. Quand il se déplace, ça se déplace avec lui, tu vois. Et c'est pas mal, et ça l'assourdit, ça le rend sourd, donc vous pouvez utiliser votre téléport. Quand vous flashez un mec, vous pouvez utiliser votre téléport, il ne vous entendra pas téléporter. Et il ne vous verra pas non plus si vous téléportez devant lui. Donc ça peut être intéressant de flasher quelqu'un, de flasher quelqu'un et de téléporter à une distance assez longue pour pas qu'il vous entende. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est souvent cette technique que t'as expliqué de TP dans ta smoke. Ah mais c'était pas du tout ça que j'ai expliqué. TP dans sa smoke, c'est la technique de base, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo. La technique avancée, c'était de faire un point. Pour définir la distance de la smoke. En fait, c'était pas du tout le TP dans sa smoke. Le TP dans sa smoke, c'est une technique vraiment, vraiment basique. Là, j'ai expliqué un truc giga avancé. Tu penses qu'Omen rattrape Brimstone ou pas? Genre, Omen est meilleur en solo ou Brimstone est meilleur en team? Moi, personnellement, je pense que je préfère Omen là. Donc là, je vais TP derrière, mais là, ça peut être une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que là, ils ont déjà commencé à attaquer, donc il peut y avoir un mec en face de moi. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, je voulais avoir l'exemple, c'est parfait. En gros, j'ai TP alors que ma team a déjà commencé à mettre trop d'activité. Donc en gros, les mecs de B ont déjà commencé à rota vers le A. Et du coup, il y avait des grandes chances qu'un joueur ici me voit au spawn. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous avez vu, il m'a tué. Mais en me tuant, il m'a pas tué. Il m'a rien parce qu'il m'a tué trop tôt. Tant que vous serez pas un elo assez élevé, genre plate diam, mais encore plate, je pense que ça suffit pas. Donc on est diam et quelques. Les mecs n'auront pas le bon réflexe de taper le clone au bon moment. En fait, si tu tapes le clone trop tôt, eh bien le mec reset. Et vous avez vu, j'ai pas perdu mon bouclier non plus. Donc j'ai reset. Comme si j'avais pas ulti en fait. A savoir aussi que vous pouvez utiliser cette technique là pour récupérer la bombe. Si vous faites votre TP comme ça sur la bombe et que le mec vous tue avant d'apparaître, vous allez récupérer la bombe, vous allez pouvoir poser. Donc c'est une bonne technique si jamais la situation est catastrophique et que ça est dans une situation un peu situationnelle. À la morgue. Voilà. Autre chose,
chose d'autre chose. Donc la smoke vous permettra de faire des trucs. Ce qu'il faut comprendre avec Comet aussi, et pour moi qui est très important, c'est que c'est vraiment un perso pour faire des clutches. C'est vraiment un très 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 bon perso pour open. Tu mets deux smokes sur un BP, tu mets un TP quelque part, même que tu sois ou pas dans tes smokes, tes smokes vont briser des lignes de vue. Donc en fait, tu auras énormément de possibilités de TP. Tu peux aussi TP dans ta smoke, TP ailleurs, derrière. Donc c'est vraiment très fort. Là, si par exemple il me flash et je suis flashé, bah tant pis, si je suis flashé, je mets mon curseur sur là où il va décaler et je le pré-shot, tu vois ce que je veux dire. S'il me flash, il va vouloir décaler dedans. Donc avec un peu de chance, tu peux le tuer. Et si tout le monde fait ça dans ta team, avec toutes tes balles, il est fortement probable qu'il va mourir. Là, le porteur de la bombe est mort. Il va vouloir continuer d'avancer parce que du coup, il a fait un kill. Sans importance. Là on va mettre une smoke tranquillement pour essayer de reprendre l'espace. Malheureusement j'ai dégagé trop tôt, donc là c'était intéressant. C'est quand vous faites un sort dans ce jeu, vous avez vraiment un putain de délai avant de pouvoir tirer. Là je vais faire une flash et je vais tirer dès que je peux. J'ai pas pu tirer avant, j'ai vraiment tiré le plus tôt possible. C'est vraiment très très long. Donc là on va faire le TP que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je saute et je TP en arrière. Donc là il va penser que j'ai pris le TP. Donc là il va penser que je suis shower, il va penser que je suis sorti là pour aller planter en A. Et du coup bah si je vais planter en B, le problème c'est qu'on a un allié qui a fait du bruit, donc du coup bah ça a pas marché. Mais dans l'idée, si vous faites ça et que votre allié n'est pas là, il aurait pensé que je suis allé party shower et il va rotate. Si le mec est très bon, si le mec est genre diamant et cake ou plus, il va savoir que Omen peut faire ça et du coup il a une chance sur deux parce qu'il peut pas savoir quelle chance sur deux. Il peut pas, comme je vous ai dit, le TP fait du bruit à la position initiale et pas finale, mais en fait il peut pas savoir si j'ai fait le fake TP ou pas. Il peut pas le savoir en fait, il doit faire un pari. Et encore une fois, bah du coup t'as l'avantage, il a une chance sur deux. Et toi, t'as beaucoup. Bah, toi, du coup, t'es une chance sur un, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ultra favorable. Donc, on essaie de faire un tuto avancé sur Omen, les gars. Et c'est vraiment le perso que je conseille aux gens qui commencent le jeu. Pour moi, c'est vraiment le perso avec lequel vous devez commencer. Si vous... Les gens, en général, quand ils vont commencer le jeu, ils vont vouloir jouer agressif. Pour moi, c'est un perso pour jouer agressif. Et c'est pour moi un des meilleurs persos du jeu en ce moment. Le perso est en team un peu moins bien qu'un Brimstone parce que Brimstone a plus de dézonage. Qui peut dézonner plus facilement qu'un Omen, mais si vous jouez pas en team à 5 avec des strats et tout, Omen est bien meilleur parce qu'Omen a des capacités que l'autre n'a pas. J'ai fait une tier list, enfin tapez tier list Skyheart et vous comprendrez, il y a plein de trucs que les gens n'ont pas pensé sur Omen, je pense, qui sont vraiment 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 forts. Là, bah, on va essayer de faire un TP risqué. Ah dommage, j'ai entré dans ma smoke. On a essayé de faire un TP risqué, c'est que j'ai essayé de TP dans le bac. Mais c'est un TP risqué, c'est un TP que vous pouvez tenter en écho. Imaginons, on est en écho, ils ont acheté. Je peux tenter un double TP risqué parce que imaginons, je prends, je sais pas, un pistolet qui one shot, donc un revolver ou même un USP ou quoi. Je fais un double TP, ça me coûte 200$ plus mon USP, ça me coûte 700$. Avec 700$, je peux battre un mec armé parce qu'un mec armé que j'ai dans le dos parce que j'ai fait une double TP, il peut pas trop savoir où je suis. Donc quand je vais faire un TP, il va essayer de me chercher partout autour de lui. Sauf que dans CS, les joueurs en général ont une sensi relativement basse. Et comme ils ont une sensi basse, et bien faire un 360, ça fait, c'est galère. C'est galère de faire un 360 sur ce jeu parce que t'as une sensi basse. Donc en général, ils vont plutôt faire un 180, 210 degrés pour chercher autour d'eux en balayant comme ça, à gauche, à droite, tu vois. Mais c'est très très galère de checker tout autour de soi sur un jeu comme ça. Si on jette un petit pistolet dans la TV, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mais pas le même bruit, bro. Donc ça pourra bait les débutants, mais pas les joueurs qui ont un peu joué pour le coup. Là, à partir de mon avis d'un Silver Gold, il sera pas à voir. Peut-être un fer peut rester à t'avoir, et encore, je pense pas, donc. Par exemple, faisons un TP très risqué là pour le coup, mais vas-y. Dernier joueur en vie. Behind. Ok, bon j'aurais dû garder les TP pour couvrir clutch, my bad. Alors les gars, on va essayer de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais essayer de TP sur la bombe et voir s'il va me tuer. C'est pas possible qu'il me bute en vrai. Il m'a buté, ah j'ai pas récupéré la bombe, ah ils ont peut-être fixé là. Ah peut-être été fixé hein. Alors, vous voyez, il m'a encore tué trop tôt. Comme j'expliquais. Et le problème c'est qu'il m'a tué trop tôt mais j'ai pas eu la bombe. Alors peut-être ça a été corrigé. C'est possible. C'est une possibilité. Pourquoi tu ne vises pas? Parce que le clic droit ne sert à rien dans le jeu. Le clic droit est quasiment inutile. En vrai ils ont mis le clic droit c'est pour que les joueurs console qui jouent à Call of Duty puissent être à l'aise et trouvent pas que le jeu est nul parce qu'il n'y a pas de clic droit, tu vois. Je pense que c'est surtout pour ça en vrai. La vraie raison, je pense que c'est celle-là. C'est pour que les gens qui sont habitués à faire clic droit puissent continuer à regarder leurs habitudes et surtout qu'ils n'ont pas la raison que le jeu est nul parce qu'il n'y a pas ça, tu vois. Alors que ça sert techniquement à rien, quoi. C'est du placebo, quoi. Ça a un minimum d'intérêt parce que ça peut, de loin, ça peut être un minimum utile, mais sinon, vraiment, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui est bien perso pour toi, Sky? Bah, j'ai fait une tier list, tu as tier list Skyheart et t'auras tout avec toutes les explications.
Et j'ai fait une tier list solo queue, une tier list team, parce que pour moi c'est pas les mêmes persos qui sont forts en équipe et en solo, parce que c'est pas du tout la même chose quoi. Alors l'intérêt aussi d'un Omen, c'est que vous pouvez aussi TP sur des endroits où les mecs ne vont pas vous attendre. En gros, il y a que 4 persos qui peuvent monter en hauteur sur le jeu, et Sage qui peut booster ses teammates. Même si en général les Sage se boostent elles-mêmes, mais tu vois typiquement cette position là, qui est là, il y a que 4 persos qui peuvent y aller là, enfin rien. 4 persos encore une fois modulo le truc de Sage. Et vous pouvez TP avant que la game commence, c'est-à-dire que je peux être là sans que les mecs aient l'information que je puisse être là, tu vois. Et typiquement... Ah, ça c'est quelque chose que j'explique dans ma vidéo tier list, tapez tier list card et vous allez voir des explications un peu plus poussées, mais en gros, imaginons vous avez un Brimstone à place d'un Omen. Eh bien, Omen, le fait d'avoir un Omen permet d'avoir un joueur qui peut monter dans des positions inaccessibles. Si vous avez juste une Sage et que vous avez pas de Jet, pas de Raze, pas d'Omen, bah du coup, vous avez qu'un seul perso qui peut se monter en hauteur et seulement s'il met un wall. Donc en gros, les adversaires n'auront jamais besoin d'ouvrir les BP en regardant en hauteur parce qu'ils savent que vous pouvez pas être là. Alors que si imaginons vous avez une Sage plus un Omen, bah vous pouvez techniquement être dans tous les boosts de la map. Et parce que la Sage aussi peut par exemple booster quelqu'un, péter l'huile, tu vois, par exemple, avant la game si elle a une arme. Donc en gros, le fait d'avoir un Omen permet que les adversaires aient besoin de checker ces corners là qui sont en hauteur, la position dans laquelle j'étais. Si moi j'y vais pas, et ben personne peut y aller dans ma team à part la Jet, tu vois. Et mes Jet c'est pas forcément beaucoup gentil parce que c'est un peu de la merde quoi. Donc les gens vont sûrement vouloir, en général quelqu'un qui va commencer va vouloir s'intéresser à Jet en général, je pense Jet, je pense Raze, Jet Raze, je pense c'est les deux personnages qui vont intéresser les gens qui commencent. Intéressez-vous plutôt à Omen, je pense c'est, il a vraiment un potentiel, je pense vraiment intéressant pour de la solo queue. Alors Raze c'est pas mal aussi, Jet je conseille pas. Raze c'est fort aussi hein. Après ça peut se faire nerf mais... Parce que les gens, c'est un perso sur lequel les gens vont râler assez vite, parce que c'est un perso dégâts quoi. Ah merde, j'aurais dû faire boule d'œil. Et vous voyez que le son c'est très important, parce que là on a entendu marcher, enfin on a entendu marcher, on a entendu courir pardon. Ah, j'étais quand même un connard hein. J'ai pris l'orbe devant sa gueule, j'aurais dû smoker, et si je smoke et que je prends l'orbe, en fait l'orbe, dites-vous bien qu'on pouvait la prendre sur genre 2 mètres de différence quoi. Parce qu'en fait ce qui compte dans l'orbe, c'est que l'orbe soit pas très loin de vous, mais du coup un peu comme un diffuse vous pouvez être à la première différence. En gros il aurait spray dans le vide, mais il y a peu de chances qu'il m'aurait tué quoi. Il m'aurait touché je pense, mais il m'aurait enlevé quoi, 30 quoi. Aucun ennemi. Parce qu'en général quand un mec veut tirer à un endroit où il sait pas où c'est, bah il va spray un peu en mode balayage tu vois. J'ai dit BP. BP c'est bomb point, c'est l'endroit où tu peux poser la bombe, pardon. J'ai peut-être dit BP, j'ai pas fait gaffe. Alors, la Vandale s'est fait buff, donc là maintenant elle devient bien meilleure je pense. Elle en avait besoin parce qu'elle était vraiment vraiment moins forte que les autres armes. Je vous conseille de pas jouer la Vandale tant que vous n'êtes pas, on va dire diamant, ou peut-être au plate minimum, mais avant c'est oublié, vraiment jouer la fantôme. Parce que la Vandale c'est une arme qui joue balle par balle. En 1v1 c'est pas mal, en 1v1 c'est même peut-être un peu plus fort que la fantôme de loin. Le truc c'est que, des fois, et souvent, hein, quand, notamment quand vous êtes CT, les adversaires sont pas en 1v1. Ils sont en 1v... enfin ils sont 3 tu vois. Donc 1v3, donc du coup t'en tues un et le deuxième bah c'est galère parce que connecter son full est très difficile donc surtout si vous avez tendance à rester appuyé sur votre bouton, faites très très gaffe quoi. Donc là on va essayer de smoker, on va smoker ici la sortie je pense du CT. Là je vais me faire gangbang, là je vais smoker là pour essayer de TP dedans. Ouais, voilà, là déçu d'avoir une Vandale par exemple. Hein. Une Vandale au corps à corps comme ça pour connecter son full. Bah là je suis exactement dans la situation dans laquelle la Vandale est vraiment nulle quoi. Parce que la Vandale pour connecter son full c'est vraiment 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 pas terrible. J'ai pris la Vandale à la base c'était pour tonaliser duel mid. Mais vous voyez du coup je dois rotate. Et même si j'avais voulu prendre une position dans laquelle la Vandale est bien, je me retrouvais dans une position dans laquelle la Vandale est nulle à chier. Donc bon, en tout cas la Vandale est infiniment moins forte que la fantôme. Là j'aurais une fantôme, j'aurais probablement pu gagner les deux kills genre. Parce que quand je tue le premier, après derrière le deuxième va vouloir me tuer et j'ai peu de chance de pouvoir connecter mon full. Mais j'ai un peu merdé ma balle, on va pas se mentir, hein, mais pour expliquer un peu le délire. Là vraiment on peut se moquer ici. Et on peut par exemple tenter de TP dans le... derrière genre. Parce que, alors essayez de TP un peu plus avancé, genre plus vers là-bas. Parce que plus okay. Vous allez TP derrière eux, donc là ils vont toujours en B. Donc là ils vont aller en B parce que ça va passer je pense. Ok, il a une arme. Là il y en a peut-être qui vont vouloir prendre le TP, c'est possible. Ouais, tu te smoke ici. On va attendre s'il y a un TP qui arrive.
Oui, ils prennent pas le TP. Donc là, on a un shotgun. Les shotguns sont vraiment bien dans le jeu en vrai. Ils sont vraiment pas dégueulasses, notamment celui-là qui est vraiment fort au corps à corps. Il est un peu moins bien de loin par contre. Là, vous voyez que si on est à 11 mètres, ça commence à être la distance trop grande. Donc là, il vaudrait mieux que le mec décale pas trop contre le mur pour qu'il ait une distance pas infiniment grande. Là, il reste 30 secondes. Je vais mettre une smoke. Ma smoke dure 15 secondes. Donc je sais à partir de ce moment-là que ma smoke, elle va fade quand... Enfin, elle va disparaître, hein, quand il restera genre 18 secondes, tu vois. Mais je pourrais en remettre une. Oh merde, bon j'ai regardé la minimap au même moment. Bon j'ai checké la minimap je pense que je la regarde un peu trop souvent. Mais bon, j'ai voulu voir où est-ce qu'il avait kill. Il a décalé au même moment, bien joué à lui. Donc là on va simplement tester de jouer, la Vanda a été buffée en tapping. Le tapping c'est le fait de tirer balle par balle comme ça. Et vous voyez que les balles sont quand même précises, au bout d'un moment elles finissent par pullette parce que je tire un peu plus vite que le reset. Pour essayer de tuer le mec, il faut que 5 balles pour tuer un mec dans le corps. Là par exemple j'ai vu qu'ils étaient ici. Je vais garder mon ulti et je vais ulti la prochaine fois quand ils vont aller en B. Quand ils, là ils ont été en A. Donc le B c'est l'autre site. Oh, it's me. En général une équipe qui arrive à passer gratos dans un site va souvent vouloir y aller plus souvent forcément. Plus les mecs vont monter et plus les mecs, quand vous allez commencer à jouer contre des mecs très forts, ils vont vouloir surprendre on va dire, mais au début les gens vont juste vouloir jouer pour essayer de gagner tu vois. Donc pour essayer de gagner, ils vont, quand ils vont voir que ça passe facilement en B ou en A, bah ils vont souvent appuyer sur le BP où ça passe parce que bah, ça vient de marcher rego quoi. Et en solo queue, donc quand vous allez jouer seul contre des fois des mecs seuls, des fois des mecs à 5 malheureusement, mais ça c'est lucky. Les gens en solo queue vont souvent avoir des trucs beaucoup moins préparés. Donc là tu peux là, typiquement je peux par exemple TP là, imaginons je sais qu'il est à gauche tu vois, imaginons je sais qu'il était là. Ce TP là aurait été très intéressant parce que le mec qui va être là va attendre de côté tu vois. Je vois qu'il est short, je vois sur la minimap qu'il est à côté de moi là. Je pense que cypher ne sert plus à rien. Non. Non non, je pense qu'il est toujours bien mais il est devenu moyen quoi. Il est devenu moyen, je pense pas que c'était un nerf nécessaire contre... En fait je pense que c'était un nerf nécessaire pour le bas Elo. Mais je pense qu'à Wello le perso était déjà pas broken, il était fort quoi. Merci pour les sels les gars, merci Jojotor pour le sel, merci beaucoup, merci Deto. XTW, excusez-moi, j'avais pas vu. Oh, il fait Ridwayne, 26 Madrid, excusez-moi les gars, j'étais trop focus dans mes explications. Et merci AS15 pour le sel, merci Lucid Vicious, merci Simulate carrément pour le tier 1, merci S7 Orms, merci les gars pour tous les Twitch Prime et tous les tier 1 et les Twitch Prime relancés tous les mois, c'est incroyable. Merci Neskill, c'est mérité, merci pour le sel, bon, merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup les gars. Road vers les 6500. Merci infiniment les gars. Si vous soutenez la télé, c'est la même façon de soutenir, hein, si vous avez un Twitch Prime ou si vous voulez soutenir carrément. Donc là par exemple, ok donc là ils ont changé le voice de Sage, c'était pas comme ça avant, donc là la Dashi elle a fait son ulti, la Sage. Donc là je savais que j'étais mort, donc là j'ai pris une position pour essayer de win la Jett parce que la Jett avait son ulti. Et Jett si elle est corps à corps avec vous, elle fait qu'elle fait clic droit, elle va one shot. Donc il fallait que j'essaie de la tuer avant qu'elle me tue, c'était possible parce qu'elle était à moins de 15 mètres et en gros la fantôme... À moins de 15 mètres, tue en une seule balle dans la tête. À 16 mètres, il faudra 2 balles. Dites-vous aussi que la fantôme, quand elle va mettre une tête, elle va punch le mec. Quand tu te fais tirer dessus, ton viseur il part en couille. Donc quand vous mettez une tête à un mec, il est quand même dans la merde. Hein. C'est mieux de mettre la minimap en rotation ou pas, Sky? Moi je trouve que c'est mieux fixe, comme ça du coup tu sais directement. Tu vois là, je regarde. Si je veux voir la longue, je sais déjà où elle est, tu vois. En gros, quand t'as l'habitude de jouer comme ça, je pense que c'est beaucoup plus facile parce que du coup, tu peux être beaucoup plus réactif sur plein de trucs, tu vois. Donc là on va faire ce qu'on appelle off, on va essayer de off la shower, je pense qu'ils vont vouloir aller en B. Et du coup je vais rusher la shower pour voir s'il n'y en a pas un que je peux choper tu vois. Donc là en face on voit qu'ils sont en train de contrôler map, ils sont un peu partout en fait. C'est la stratégie par défaut on va dire hein, qu'on fait notamment contre des échos. Bon, en général quand les mecs sont échos en face, vu que le système de Elo te fait gagner de l'Elo quand tu rushes les kills, bah les gens rushent les échos parce que c'est beaucoup plus facile de tuer quelqu'un qui n'a pas d'arme. Quelqu'un qui a une arme, quelqu'un qui a une arme peut me tuer, là il aurait pas eu d'arme, il m'aurait pas tué, hein. Même par derrière gros. Hein. S'il est pas un minimum réactif et qu'il peut pas mettre deux têtes directes, il y a des grandes chances qu'il meure avant, même en ayant quasiment deux dos quoi. Tu vas tirer dans la tête et après descendre sans viseur Sky. C'est pour contrôler son full, quand tu vas tirer tes premières balles, tes balles vont monter, ton curseur va monter. Donc il faut vraiment, quand tu tires tes premières balles, il faut vraiment descendre ton viseur. Il faut essayer de placer ton viseur là où ton adversaire va être. Tu vois là par exemple, là la Jett elle décale à gauche, pourquoi pas tu vois. Donc
Est-ce que le jeu va sortir sur PS4? Alors ils l'ont pas annoncé, ils ont dit qu'ils focusaient pour l'instant sur PC. Je pense que oui, je pense que le but du jeu est de concurrencer Crossfire, c'est le CS chinois. Je pense que Crossfire c'est pour moi un des premiers objectifs de Riot Games. Riot Games a complètement conquis le marché chinois avec League of Legends et je pense qu'ils veulent... Marché chinois, c'est le marché principal de League of Legends, donc à mon avis ils veulent faire la même, hein. On va pas se mentir. Les Chinois jouent à Crossfire pour l'instant, mais je pense que c'est pas impossible que d'ici 2 ans, au lieu de jouer à Crossfire, ils jouent à Valorant, et le marché chinois est... Bah, c'est en jeu vidéo, c'est juste le plus grand marché du monde, donc... Dis-vous qu'il y a plus de joueurs juste en Chine que dans tout le reste du monde sur LoL. Donc... T'es sûr de la stat, je suis pas sûr à 100%, mais à 80%. En tout cas, c'est plus exact, c'est quasiment exact. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est énorme, genre. Genre en Chine, ils ont tous les modes de jeu qu'on a eu dans notre vie. Eux, ils les ont tous en permanence, apparemment. En tout cas, pendant un moment, ils les avaient tous en permanence. Mais pour vous dire, un streamer chinois, il peut monter à 2,5 millions de viewers. 2,5 millions de viewers, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus que le record du plus gros streamer anglais eu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc ils sont juste, c'est juste pas la même dimension, c'est juste pas sur Twitch, tu vois, mais ouais, c'est compliqué, quoi. Donc normal que le sujet les intéresse, on va dire. Donc là, j'ai vu qu'ils ont pas cassé la route Sova. Faut savoir que les caisses traversent bien. Si tu mets 2 balles dans la tête à travers un mec, à travers, il va mourir. Donc là, je vais mettre une smoke ici, pour que quand ils doivent sortir, ils vont vouloir cross la smoke. Et là faut faire gaffe, c'est que quand vous tirez des balles, les mecs voient que vous tirez des balles. Là j'essaie de tirer des balles, là où je pense qu'ils vont pouvoir et qu'ils vont être s'ils veulent avancer silencieusement. Là en gros je me mets dans l'axe pour essayer de arracher une petite tête au passage. Il y en a un qui est mort d'ailleurs. Là si ça va en B, je peux par exemple activer mon ulti et TP ici pour pouvoir rotate rapidement sur ce qu'on appelle le elbow. Là si l'autre meurt, je vais le faire pour l'explication. Là par exemple il est mort, je vais TP ici. Je l'aurais pas fait dans une vraie game là, mais c'est pour l'explication. Donc là, je vais TP vers le elbow. Et s'il est pas rentré assez rapidement dans le BP, il sait pas que je suis là. Donc il se doute que j'ai. Il se doute parce que c'est souvent la situation. Merde, Jerry. Peut-être mort là. Ah, j'étais peut-être mort, j'ai tiré trop tôt et j'ai raté sa tête et du coup bah j'aurais pu crever. Là, j'ai mis mon viseur sur là où il allait décaler. Derrière ce petit rebord, vous voyez que la tête qui dépasse. En gros, Crossfire, c'est une sorte de CS, quoi. C'est une CS en plus moche pour être adaptée au PC chinois, pardon. Et Crossfire appartient à Tencent, et c'était le jeu le plus joué au monde jusqu'à ce que LoL le dépasse très légèrement. Donc c'est juste que c'est un jeu uniquement joué en Asie slash Chine. Je sais pas si c'est répandu en Asie autre part qu'en Chine, mais en tout cas, en Chine, c'était le jeu le plus joué. Donc là, par contre, tu vois, on va faire ce TP-là. C'est là qui brise la ligne, c'est-à-dire que là du coup je vais pouvoir pique de la gauche alors que le mec qui est là va vouloir attendre le mec qui décale à droite. Et en vrai quand il y a un nomen en face, t'es obligé de faire gaffe à ça et t'es obligé d'écouter, de bien écouter. Je pense qu'à terme il y aura moyen que des alliés tirent à la vandale pour faire du bruit, tirent à la vandale ou tirent au snipe pendant un TP pour que ça couvre le bruit du TP pour que tu TP silencieusement. Très clairement ça va être surexploité. Là je me suis fait toucher, j'ai tué un mec, je recule parce que sinon si je continue à insister alors que je viens de tuer un mec... Ils vont avoir l'avance sur moi et moi je vais pas savoir où ils sont, tu vois, il y a trop de possibilités, tu vois. Donc là ils sont encore en B, comme on avait dit tout à l'heure, comme ça passe en B, bah ils vont vouloir réinsister sur le B. Sauf qu'on a récupéré la bombe. TP on A, TP to A. Là je suis grave dans la merde, je vais mettre une smoke, je vais mettre une autre smoke. Je vais TP dans ma deuxième smoke. Pour essayer de surprendre. Silence. Plus qu'un ennemi. Et voilà, donc là on a fait exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que là on met une smoke, on met une deuxième smoke, on TP dans la deuxième smoke. Le mec a entendu un TP mais il peut pas savoir où on est et du coup bah on le décale et on a l'avantage, j'ai un HP mais avec, même avec un HP si je suis de dos bah il va probablement pouvoir perdre si j'ai une arme pour pouvoir le tuer vite, tu vois. Donc là on voit un peu la puissance potentielle du personnage et ça c'est vraiment pas très dur à faire, il faut juste avoir la notion des distances. Donc ceux qui ont vu tout à l'heure le type s'avancer, je vais pas le répéter mais tout à l'heure j'ai expliqué à celui qui avançait que je vais pas répéter. Ok donc voilà, donc là on va faire le même TP que tout à l'heure. Aussi autre chose pour les smokes, comment mettre une bonne smoke et comment voir une bonne smoke d'une mauvaise smoke genre. Une bonne smoke ce serait genre comme ça. Il faut que la smoke soit en dehors et quand le mec sort de la smoke il faut qu'il soit dans un étranglement le plus petit possible. Parce que là du coup si, là pour le tuer j'ai juste à préviser ici, je vais juste le viser là. Alors que si je smoke juste devant, eh bien il aura une énorme zone dans laquelle il va pouvoir sortir. Et en vrai t'as pas du tout envie de vous faire niquer quoi. Donc le perso a vraiment un énorme potentiel en solo. Oula merde. On connaît ce bruit. Donc
là bon c'est compliqué, là je pense qu'on est mort mais on va quand même essayer. Il y a le robot, ne voit pas à travers la smoke. Là on va essayer de TP dans l'angle, je pense que je vais crever là mais on va essayer. Voilà, non, exactement. Du coup c'est que là j'ai TP dans l'angle mais cet angle là, bah il y a de grandes chances qu'un joueur puisse checker cet angle là, même sans faire exprès et me tuer instant. Et si je TP pendant que je TP comme ça, je ne peux pas tirer tu vois. En vrai de vrai là, je pense que j'aurais pu le jouer normal. Dommage. Nice, ouais. J'aurais pu jouer, là j'ai pas forcément joué la win, là j'ai joué l'exemple tu vois, mais en gros j'aurais pu jouer normal. Idéalement j'aurais dû mettre deux smokes, mais notre deuxième smoke revenait dans quelques instants, je pense que j'aurais dû l'attendre. Et on aurait dû jouer avec en mettant deux smokes. Si vous mettez deux smokes sur un BP, les deux smokes durent 15 secondes, vous avez vraiment, vous avez bloqué vraiment beaucoup de lignes de vue. Et pour moi du coup il faut, merci pour tous les subs les gars, let's go. Kinders, merci pour le sub, merci Memento Mori, merci Klemzer, merci Mini, Mili, Moulu, merci Lord Valmore, merci Flox. Et merci Koro DSN, merci Jojo Thor. Donc là je vais aller en B les gars, parce que comme c'est beaucoup passé en B, comme on a dit, en B c'est la plus facile. Du coup ils vont certainement vouloir appuyer sur le BP qui perd. Donc en l'occurrence là le B. Et donc on peut TP à pas mal d'endroits différents. Là a priori là, de là sur le A mais... Donc il y en a un en longue. J'aimerais bien qu'il y ait la bombe chez moi, ce serait l'idéal. S'il y a la bombe, ils vont forcément devoir venir. Nice, il a tué quelqu'un, c'est très bien. Espérons qu'il puisse en tuer un dernier. Donc là, vous voyez qu'il y a l'ulti Sage en haut à droite. Il y a une petite barre. Alors, je peux vous la montrer. Là, là. Oh, j'ai cru qu'il y avait un mec qui avait décalé au même moment. Putain, j'ai flippé. Vous ne tuerez pas mes alliés. Donc là, la raid dans ses teammates. Donc quand il y a une. Quand il y a une Sage en face qui a son ulti, il faut essayer de mémoriser où sont les joueurs qui sont morts, comme ça du coup vos alliés peuvent vous dire ok lui je l'ai tué short donc il est short. Donc là tu vois il était mort short A, il a été rest short A. Mais si t'as oublié bah c'est la merde tu vois. Dernier joueur en ah non, bah dommage, il était avancé et on perd la game. Pas grave, j'ai pas forcément essayé de gagner la game, j'ai essayé d'expliquer le maximum de choses, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Skyheart et Skyheart Gaming. Merci pour tous les subs, oh là, et merci Eddie Style, merci pour les subs, merci Born Under 4 Turns, merci Adirn06, merci pour tous les subs les gars. Donc encore une fois, il y a vraiment beaucoup d'avantages à jouer au main je pense. Le TP est moins mauvais qu'on pourrait le penser. Le TP de base, le TP classique est vraiment ultra fort. Même si le mec sait que vous avez TP, il fait un pari à chaque fois. Il a une chance sur 3, une chance sur 4, une chance sur 2, à quel point vous l'avez utilisé bien comme il faut. C'est un perso que vous pouvez main, parce que c'est un perso sur lequel vous pouvez progresser je pense en termes de TP, en termes de smoke, etc. À l'endroit où vous pouvez le faire. On verra plus tard qu'il y aura possibilité de faire des quelques one-way sur les omens, mais les one-way omens vont disparaître. C'est quelque chose qu'ils ont pas envie que ce soit dans le jeu, donc à un moment donné, il sera fixe. Donc, je vous ai pas parlé, là j'ai rien parlé du truc qui sera fixe, donc pour l'instant là tout est faisable. Et voilà, donc j'espère que ça vous a expliqué. J'ai expliqué beaucoup de choses de mécanique un peu avancée sur Omen. Et c'est vraiment le perso que je vous conseille si vous voulez commencer le jeu. C'est un perso qui est peut-être un peu moins facile que Raze, je pense. Un peu moins facile que Jett, mais il est beaucoup plus fort que Jett. Par rapport à Raze, c'est pas les mêmes avantages, c'est pas les mêmes défauts, mais le perso est fort et ça marchera bien et vous pourrez faire des trucs vraiment pas mal. Vous pourrez carry vos games. Et ce qui compte à la fin de votre game, c'est ça. Hein. C'est juste ce score-là et ce score-là. En fonction de ce score-là, vous aurez plus ou moins de flèches d'Elo. Donc là, typiquement, il est fortement probable que j'aurais pas perdu d'Elo si je perdais cette game si c'était une classée, parce qu'on était premier bas de la game. Donc. Et vous allez pouvoir. Donc en vrai, le perso est très bien parce que vous allez pouvoir faire les open kills. Donc les open kills, c'est le premier kill de la game. C'est. En gros, dites-vous que c'est plus difficile de faire les deux premiers kills. Une fois que t'es rentré dans le site et que tu poses la bombe, les mecs ils doivent reprendre le site, c'est très compliqué. Reprendre un site, c'est beaucoup plus difficile parce que t'es en place, le mec va devoir passer dans les étranglements, il va devoir décaler toutes les zones alors que toi tu sais où il est. Bisous, moi, à bientôt, c'est Sky, ciao, ciao. Et abonnez-vous et merci à ceux qui viennent sub à la chaîne. On est 6500, je n'ai jamais eu autant de subs de ma vie. Et merci beaucoup les gars, merci de faire de mon rêve une réalité, le fait de pouvoir, streamer full time, ça fait extrêmement plaisir. Normalement c'est plus YouTube. Merci beaucoup le trade live level 3, merci beaucoup les frérots, merci à vous de soutenir tous les mois, que vous souteniez avec le prime gratuitement tous les mois ou bien avec carrément en tier 1. En tout cas ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes des malades, merci beaucoup et merci pour tous les messages gentils. Bisous, ciao ciao, à bientôt sur le live, plus car de midi à 22h, bisous. Donc mais du coup c'est l'intérêt pour moi de Omen, c'est que le fait d'avoir ne serait-ce avoir Omen dans sa team permet de changer les lignes que le mec va devoir checker. Tu mets deux smokes dans une retech de BP et tu mets un TP, ça des deux smokes de up, c'est très très difficile pour la défense de savoir où tu as TP parce qu'il y a beaucoup de possibilités. S'ils sont pas 5, s'ils sont que 2, ils vont dire ok il a TP mais où, du coup ils vont devoir bouger leur position parce qu'ils vont pouvoir être surpris et tu vas contrôler, tu vas réduire l'information de l'adversaire tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit.
Et pour moi, c'est pour ça que cette raison que Omen est vraiment très fort. Et utiliser ce TP à bon escient, c'est vraiment le TP de base qui est vraiment, vraiment très fort. Et apprenez à se moquer, à pas à travers la map. La map qui est vraiment très pratique et très bien faite pour Omen.